force et puissance te reviennent, notre Dieu puissant guerre éternel. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. A franchi nous relève, victorieux dans chaque combat, nous appelle. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Entends le cri de nos cœurs, tu es roi, le seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Ton amour nous a franchis. Victorieux dans chaque combat, nous appelle. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Entends le cri de nos cœurs, tu es roi. Merci Jérémy pour ce super chant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce chant ? Comment tu l'as composé ? Comment c'est venu ? On était en train de, avec Horizon Louange, de préparer notre premier album Déclaration. Et on avait cette volonté de créer, parce qu'on avait envie d'entendre, et nous on avait envie de proclamer nous-mêmes la grandeur de Dieu, et puis d'avoir des chants qui unissent un petit peu les gens, les chrétiens, les croyants. Et c'est dans cette démarche-là, j'ai commencé à écrire cette chanson avec un ami, guitariste d'Horizon Louange, qui s'appelle Josh Aldrich. Et puis on avait déjà un petit peu une mélodie, une musique, puis j'essayais de créer des paroles dessus. Et puis j'ai commencé par les couplets, en voulant volontairement déclarer qui était Dieu pour moi. C'est pour ça que ça commence en disant « Gloire, honneur, force et puissance te reviennent, notre Dieu, le puissant guerrier, l'éternel ouais. ». Vraiment pour proclamer ces choses-là. Puis on est arrivé au refrain ensemble. Il était avec une guitare. J'essayais de créer toute la mélodie qui allait avec. Et puis je cherchais vraiment un mot qu'on allait pouvoir crier. Je ne savais pas encore que ça allait s'appeler la chanson « Le cri ». D'accord. Mais je voulais trouver un mot où je voulais imaginer l'église Horizon, mon église, dans laquelle je suis, dans laquelle on a composé aussi ces chansons. Je voulais entendre l'Église crier un mot
comme de victoire, comme de délivrance. Et puis, alors qu'il m'avait donné une petite structure musicale, j'ai commencé juste à essayer de trouver des mots de proclamation, de déclaration que je voulais entendre déjà pour ma vie et puis pour les chrétiens qui étaient autour de moi. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai composé le refrain et que j'ai fini par se libérer. Ça tombait pile dans la phrase musicale où j'ai pu faire « libérer » et le tenir en force. Et en finissant par nous déclarons, nous proclamons ta gloire, ta majesté. Ok. Donc en fait, tu as fait un vrai exercice de composition. Dans le sens où tu avais un projet, il fallait composer un chant. Et c'est pas genre, tu étais dans ton temps de louange et c'est le Saint-Esprit tombé sur toi. Non, ça arrive parfois que dans un temps de louange, mais c'était pas du tout la démarche pour cette chanson-là. C'était vraiment une on avait déjà, on voulait composer, on avait cette démarche de vouloir faire cet album déclaration. Et puis dans ce cadre-là, on m'avait donné déjà une petite structure musicale et mélodique. Et je me suis vraiment attelé à la tâche et j'ai vraiment essayé de... D'accord. Et le thème était aussi là ou c'est toi qui as choisi le thème de la chanson ? Le thème était aussi là dans son ensemble, parce que l'album s'appelait Déclaration. Donc il fallait, moi, que je trouve ma façon, parce que c'était la première chanson que je composais, ma façon, mon moyen de déclaration, ce que je voulais dire, ce que je voulais déclarer, ce que je voulais proclamer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le cri avec ces paroles-là, pour cette raison-là, pour cet album Déclaration. Donc, tu fais partie du groupe Horizon. Mm-hmm. Comment ça se passe quand vous êtes en groupe comme ça ? Donc, c'est toi qui composes, mais déjà, tu composes avec un guitariste. Là, oui. Pour ce morceau-là, de ce morceau-là. Donc, déjà, vous composez à deux. Est-ce que ce n'est pas trop dur de composer à deux ? Parfois, il se trouve que pour ce morceau-là, Josh Aldrich est un ami d'enfance. Et on a grandi dans la musique, dans la louange ensemble. Ah oui. Donc, ça simplifie vraiment les relations. Il sait exactement... jouer ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Et ça m'a beaucoup aidé sur ce morceau-là. Parfois, c'est un petit peu compliqué, mais dans l'ensemble, avec Horizon Louange, on travaille ensemble chaque dimanche, chaque semaine. Plusieurs fois par mois, on essaye de composer ensemble, d'avoir des temps de louange spontanée ensemble. Donc ça simplifie vraiment les échanges quand on arrive au moment où on essaye de composer, on essaye d'écrire quelque chose. D'accord. Donc, tu as composé avec le guitariste Josh, mm-hmm. et il arrive le moment où il faut le présenter au groupe. Oui. Est-ce que là, tu avais déjà la version définitive ou comment tu as travaillé sur... Non, en fait, on a commencé par essayer de construire, de créer des arrangements autour. Ensuite, une fois qu'on avait à peu près un arrangement, c'est pas le définitif, mais quelque chose qui commence à ressembler à une vraie chanson, on est passé en studio et on a créé une petite maquette. Qui était un petit peu plus courte que l'original du coup on a créé cette petite maquette et on l'a présentée à Makeda et au reste du groupe pour juste leur apporter la chanson et savoir ce qu'ils en pensaient. Et là ça a été validé version définitive ou ça a été retravaillé encore par la suite ? Ça a été retravaillé au niveau des arrangements. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte que la maquette était un petit peu trop courte, un peu trop... il manquait un peu de richesse. Mais la parole mélodie ça s'était acté. Non, ça s'arrêtait à ce moment-là. Ouais. Ok, super. Donc, tu avais bien travaillé, quoi. J'ai essayé. Super, Jérémy. Merci beaucoup pour ta créativité, pour merci ce chant. On vous invite à reprendre ce chant dans votre église. On vous met le lien de la partition juste en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le reprendre. Et le lien également pour acheter leur album dans la description. Merci, à bientôt. Entends le cri de nos cœurs.